Bonjour à tous. L'année 2023 démarre sous une bonne note pour Gad Elmaleh. Lors d'un récent entretien face à Moulu Achour, dans le cirque, il s'est livré à quelques confidences sur sa vie amoureuse. Effectivement, il y aurait un grand changement de ce côté-là pour le célèbre humoriste. Au cours de l'interview, Gad Elmaleh a pris tout le monde de court, en annonçant qu'il est de nouveau en couple. D'ailleurs, cette relation semble très sérieuse puisqu'il prévoit de présenter celle qui fait battre son cœur à sa mère. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité française et mondiale, basant sur les informations de plusieurs sites et Media People. Nouveaux jours et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Quoi Neuf France. On commence. Rappelons que l'humoriste a vécu une idylle avec Charlotte Casiraghi en 2011. En 2013, les tourtereaux ont accueilli un petit garçon, Raphaël. Mais 2 ans après, le couple a mis fin à leur relation. Malgré cette séparation, l'humoriste est resté en bon terme avec la famille princière monégasque. En effet, cette relation avec Charlotte Casiraghi était une étape importante de la vie de Gad Elmaleh. La preuve en est qu'il a présenté sa compagne et sa belle famille à ses parents. Sa mère, Régine, a même rencontré le prince Albert de Monaco. D'ailleurs, il en a parlé dans ses spectacles. La rencontre, elle a existé, je ne l'ai pas inventé. Il y a eu une rencontre, au palais princier, entre ma mère et le prince de Monaco, a expliqué l'humoriste lors de l'interview. Pour une mère marocaine qui ne veut pas montrer qu'elle est stressée, c'est spécial. Elle a fait une révérence, je ne sais pas dans quel documentaire elle l'a vue, elle a fait une capoeira. Une réponse qui a amené Moulu Achour à demander s'il avait présenté beaucoup de femmes à ses parents. Le cinquantenaire a répondu par un non. Par la suite, il s'est remémoré d'un échange avec Léa Salamé quelques semaines auparavant où il a assuré être célibataire. Mais entre-temps, il a lancé. Mais comme je ne suis plus célibataire? Une révélation inattendue que tout le monde présent sur le plateau n'a pas vu venir. Si Gad Elmaleh est de nouveau en couple, il a tenu à garder l'identité de l'heureux élu secret. Pour l'instant, le mystère règne sur l'identité de sa nouvelle compagne. Mais si Gad Elmaleh recoule la romance avec sa nouvelle compagne, sa mère, quant à elle, s'inquiète. La raison est simple. Régine se rappelle très bien du jour où elle a fait la connaissance de Charlotte Casiraghi. Elle avait d'ailleurs confié sa peur de rencontrer la famille royale monégasque. Et on la comprend parfaitement. Alors, comme Gad Elmaleh est de nouveau en couple, sa mère appréhende la rencontre avec sa nouvelle belle-fille. Elle se demande d'ailleurs qui son fils lui présentera. Affaire à suivre. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À bientôt.